Salutations voyageurs et voyageuses et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de No Man's Sky. Et non, cette fois-ci, ce n'est pas en expédition 4, mais bien en permanente. Je m'apprête à aller visiter un système où je pourrais trouver un alien classe S. Donc, les coordonnées. Passons tout de suite aux coordonnées, après avoir activé un portail. Donc, activer le portail. Oh. Oiseau, oiseau. Soleil, coucher de soleil, lever de soleil. Dans ce style-là. Ok, le premier type. Voilà. Libellule. Petite libellule. Ici. Ça fait longtemps que j'ai pas activé de portail. La pointe de lance. Vol lunaire. Puis. Le vol de jumeaux. Encore. L'oiseau. Le poisson. Le poisson. L'arbre. Où est l'arbre? Il est ici. L'arbre. Et pour finir. Attends. Ça. Oui. Oui. Ok, tout est beau. Et voilà. Terminé. Et c'est parti. Le multi-outil s'appelle Defiance Gravity. J'ai trouvé les coordonnées sur le wiki de No Man's Sky en anglais. Donc c'est un test pour voir si je vais le trouver, tout simplement. Oh, une planète. S multitool découverte par Hollyworks. Donc ça semble être bien le cas. Un petit message. Est-ce qu'on a quoi ça? Ah, c'est la faune de la planète. Parce qu'il y en a juste un. Un sur un. Donc si je vais découverte 250 nanites. Et combien de planètes? Ok. Donc 6 planètes. C'est bien ça. Bon, un autre système Viken. Il me dit le poste de communication. Encyclopédie. Espèce toute découverte sur 10 planètes. Bon. Une autre étape de franchie pour cette partie. Fondre alien, empty ear, grade 1. La balise. Donc, il faut le trouver, hein. Voilà. Classe multitude, cabinet outpost. Ok. Alien 24S. Ah bon. Et ils ont nommé les planètes en conséquence. Donc il faut que je me rende sur cette planète-ci.
Ok. Bon, allons trouver cette fameuse planète. Bon. C'est Loop Blaster, ok. Ça c'est quoi? Chrono Stabilizer. S Multitool Cabinet Outpost, ok. C'est Overlord of Togu. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, le Red Alien S24 S Multitool. Ok, c'est ça qu'il fallait que je... Sur cette planète-là que je me pose. Bon, on y va. Je me suis chiné à trouver les coordonnées. De communication plus facile. Bon. Courage, hein? Ah, Beyond S-Class. Ah, c'est ici. Et non. Il faut faire et reload la partie. On fait escape, on fait option et charger sauvegarde automatique. C'est bien ça. Mais je sais défaire. Et le voilà. Petite photo pour la postérité. Et l'adresse est un peu différente, mais c'est toujours ça. Bon, ok. C'est fait. Donc...
Qu'est-ce que j'ai sur mon multitool? Bon, on va démonter tout. Ça, démonte ça. On démonte ça. Ah non, ça se démonte pas. La visière, oui. Lance-foudre. Là aussi, l'opérateur de terrain. Et ça ici. On installe ça là. Ok, on fait E. On compare. Et on l'échange. Et voilà, un multitool alien. Ici. Pourquoi j'ai des améliorations? Ioniseur cylindrique. Ah, ça. Ioniseur cylindrique, ça, ça va avec... Alien avec ça. Ça vient avec ça. Ah, pas de deutérium. Ok. Radiation extrême détectée. Technologie installée. Je les ai démontés sur l'autre multi-outil, fait que ça devrait être facile de leur faire. Amélioration souffle destructeur, ça va. Bon. Là, c'est ici. C'est deux améliorations, mais ça ne marchera pas tant que je n'aurai pas mon deutérium. Ok. Le module de scanner. Ça, c'est tout. Ah, ok. Le casque d'analyse, j'ai l'impression. Dispositif de sondage. Pas résonant magnétique. Bon, on va l'installer. Bande. Pas résonant magnétique. Pour le mineur, l'extraction. Outil. Voilà. J'aurai d'autres choses à installer. Bon, peut-être ici. Amélioration pour ça. Voilà. Je complète pas mal les améliorations, à moins que j'installe le canon de dispersion. On prend du pinium. Pour l'instant, je vais me contenter du souffle destructeur. Avec le deutérium, ça je peux pas l'acheter ici. Pas l'acheter là non plus, il faut que je le fabrique. Est-ce qu'il y a rien d'intéressant? Semi-conducteur, du verre, des données récupérées. Résonateur magnétique. Ah, il y a juste un. J'ai besoin d'un résonateur magnétique. Peut-être pour ici, mais ça m'en prend trop. Donc, ça m'avance pas bien. Ok. Pas de résonateur magnétique ici. Bon. On l'améliorera plus tard. Bon, il y a d'autres multi-outils de type S dans ce système. Mais on n'ira pas plus loin pour cette vidéo-ci. En attendant, je vous invite à suivre mes exploits en tant que Kovacs Expédition 4 dans série 7. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite bon jeu et surtout portez-vous bien. Bye bye!